Le radio amateur est un passe-temps fascinant, pratiqué par des millions d'adeptes à travers le monde. L'entraide et l'amitié sont à juste titre parmi les principales caractéristiques de ce groupe de passionnés. L'installation des antennes et des tours de télécommunications est souvent l'occasion de se rencontrer et de fraterniser entre amis radioamateurs. Mais pas trop élevé. On va se mettre quelque part à une quarantaine de watts. Un taux d'onde stationnaire de 1,8. Ouais. À 1860, on parvient à très bien balancer l'antenne. Calling CQ, calling CQ. This is Victor Echo 2, Echo Sierra Uniform, calling CQ and listening by. Des communications mondiales sont possibles en utilisant tous les modes, que ce soit en téléphonie, en code morse ou par communication numérique. Les radioamateurs se lient souvent d'amitié avec des confrères d'autres pays. Bonjour Jerry, ça va très bien. Et bonjour à Charlie également, que j'entends très bien. HK3OZ de VEW, ben parfait John. Hey, heureux de t'entendre, de te retrouver. Alors je t'attends ça John. HK3OZ, ici Victor Echo 2 Alpha Whiskey. Ici VA2VXT, je suis à ton écoute. VA2WFN, portable. Est-ce que des stations à l'écoute? VA2CFO mobile. CQ, CQ, VA2KCA, CQ. Dans Alpha 2, Alpha Microsoft. Il y avait pas mal de vent d'altitude, là, fait que je sais pas, t'es sûrement regardé, c'est bien certain, là. À bord de son avion, un radioamateur peut établir une communication avec d'autres collègues grâce aux nombreux systèmes de relais situés sur les montagnes. Les excursions en montagne sont soigneusement préparées et exécutées en toute saison, car des équipements défectueux ou des antennes doivent être réparés ou remplacés. Le service au public, soutenu par les autorités civiles, n'est qu'une autre facette de ce fabuleux passe-temps. En cas de désastre, qu'il soit naturel ou accidentel, les radioamateurs peuvent déployer rapidement et bénévolement un service de radiocommunication fonctionnel et efficace. Tu peux me donner ta position? Au poste de contrôle du CVA2SU. VA2HHS, VA2VFC au poste de communication, appel à tous les radioamateurs.
Opération terminée. Opération terminée. Et puis ici, j'envoie un message. Félicitations V2CVR, ici V2CVR. Ici le centre de contrôle V2CVR, il va y avoir une... Régulièrement, les radioamateurs rendent visite aux organisateurs d'événements spéciaux, tels le Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pendant toute la durée de cet événement, ils assurent, avec compétence, la sécurité sur les aires d'envolée, une fonction de la plus haute importance. Les nuits magiques sont cancellées ou quoi que ce soit. C'est beau, je te remercie beaucoup. Les Field Days sont des exercices d'urgence organisés annuellement et commandités par l'association américaine AARL. Ces exercices ont pour but de mettre à l'épreuve la capacité des radioamateurs de se déployer rapidement en cas de désastre majeur et d'assurer des communications fiables en utilisant des sources de pouvoir d'urgence, tout en effectuant le plus de contacts possible avec d'autres stations. Lors de conditions météo idéales pour un lancement, certains radioamateurs lancent un ballon qui transporte à l'occasion un répéteur, un appareil photo et une caméra vidéo. 2, 1, c'est parti! À 13 000 pieds. QRZ ballon, VO2 Alpha, où est-ce qu'il appelle et passe à l'écoute? Victor Echo 2, Hôtel Les Montferrands. VO2 HLS, bonjour Serge, comment vas-tu? Oui, j'ai une position là. Ensuite, ils doivent nécessairement récupérer ce ballon à l'aide d'équipements de géolocalisation installés dans des véhicules terrestres. Au cours des réseaux CanWarn Québec, tous les radioamateurs témoins de conditions météorologiques violentes sont invités à nous rapporter les observations. Ils deviennent alors les yeux d'Environnement Canada et aident à prévoir des alertes subséquentes pour les régions touchées. VA2CWQ opéré par Venise, VA2GSU à Terrebonne. En toute station, il y a des commentaires ou des rapports d'information à donner. On vous invite. Même dotés d'instruments parmi les plus sophistiqués, les services météorologiques ne peuvent pas prévoir tous les phénomènes climatiques inhabituels. Les Hamfest sont des foires gigantesques qui réunissent annuellement les radioamateurs de diverses régions dans une tentative de vendre ou échanger des équipements et du matériel. Ces événements sont aussi une excellente occasion de fraterniser ou faire connaissance avec ceux avec qui ils communiquent. L'association provinciale, RACI, ainsi que la plupart des clubs y sont représentés, ainsi que certains vendeurs d'équipements radioamateurs.